Manuel Valls, ce que les émeutes de 2005 ont montré notamment, eh bien, c'est une vraie défiance qu'il existe entre une partie de la population dans ces quartiers et la police. Ilyes Ramdani. Hier, vous avez annoncé la généralisation du système des caméras piétons. Les caméras piétons, moi j'habite à Aubervilliers et je les ai vues à l'œuvre. J'ai vu surtout que les policiers les activaient quand ils le voulaient. J'ai vu surtout qu'ils les activaient quand les gens se plaignaient d'un contrôle, par exemple abusif, en disant « Regardez, vous êtes filmé, qu'est-ce que vous en attendez ?» Et puis la deuxième chose, est-ce que finalement la vraie réforme à faire contre le contrôle au faciès, ce n'est pas ce récépissé que vous avez enterré dès votre arrivée au ministère de l'Intérieur ? Oui, j'ai considéré que ça n'était pas efficace et je l'assume. Et moi, je ne suis pas à la recherche d'un totem pour en faire un slogan, je le disais tout à l'heure. Ce que on est à la recherche de résultats. Est-ce que vous pensez que les caméras piétons peuvent en amener l'efficacité. Oui, mais ce que nous avons fait, c'est, je crois, beaucoup plus efficace. C'est le port du numéro de matricule apparent pour les policiers et les gendarmes. C'est le code de déontologie commun à la police et la gendarmerie. Pour être sur le terrain, le tutoiement, par exemple, est régulièrement utilisé. Et il est scandaleux. Il est scandaleux. Oui, mais il y a... Mais, je prends cet exemple du tutoiement parce que c'est celui que je connais. Oui, mais ça existe bien évidemment. Mais moi, je ne peux pas me contenter uniquement de constats d'échecs où ça ne marche pas assez vite, où ça ne marche pas. Justement, donc, les contrôles au faciès existent. Qu'est-ce qu'on fait et pourquoi ça marcherait mieux alors de ce que vous dites? Donc, numéro apparent pour ce code d'immatriculation sur les policiers et les gendarmes. Possibilité, et ça marche, de saisir l'inspection générale de la police nationale ou de la gendarmerie. Il y a un site internet dédié à cela. Il y a la création des délégués cohésion, police, population, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes, mais en tout cas, c'est essentiel. Il y a la diversification des recrutements dans la police et la gendarmerie, puisque ces dernières doivent être comme la population. Et puis, il y a ces caméras piétons que nous allons généraliser. Julien Drey, ce matin, disait sur une émission qu'il avait raison, je crois, ça serait beaucoup plus efficace, ça a été démontré dans d'autres pays, que le récépissé. Donc moi, ce que je souhaite, c'est des éléments d'efficacité pour que la police et la gendarmerie respectent la population, mais en apprenant aussi à la population et aux jeunes de respecter policiers et gendarmes, parce que ça va dans les deux sens. C'est aussi un outil de protection des policiers quand il y a contestation, s'il y a bavure. On a souvent vu... Voilà, ces caméras piétons ne sont pas uniquement là pour lutter contre les discriminations, que personne ne lit. Ils sont aussi un élément de protection pour pourquoi ne pas les activer automatiquement, faciliter l'enquête. Oui, mais je pense qu'il faudra. Je pense que nous allons tirer effectivement un certain nombre de leçons pour voir quand est-ce que elles sont actionnées en permanence, en tout cas quand c'est indispensable. Par exemple, vous souhaitez qu'elles soient activées dans quel type de circonstances? Dès qu'il y a contact, dès qu'il y a tension, dès qu'il y a confrontation. Donc ça reste à l'appréciation du policier. Oui, mais moi je veux faire confiance aux forces de l'ordre. Si vous voulez, moi là. Je ne veux pas que nous vivions dans une société de défiance. Non, mais ça peut être un outil de contrôle, donc de transparence. Je ne méconnais pas, encore une fois, les tensions qui peuvent exister entre la jeunesse et les forces de l'ordre, et tout simplement les institutions et la société adulte. Je ne méconnais pas les tensions, je ne méconnais pas non plus la difficulté pour les policiers de travailler dans un certain nombre de quartiers qui sont sous l'emprise de la violence et des trafics. Ça ne veut pas dire que tous les jeunes sont des trafiquants. Et c'est cette distinction qui doit être faite et qui est difficile parfois dans le métier de policier. Mais les outils que nous avons mis en place doivent permettre d'apaiser les relations entre la police et les citoyens, et notamment les citoyens qui, évidemment, et c'est la grande majorité, fort heureusement, qui n'ont rien à se reprocher. Je veux des outils efficaces et je veux de la confiance entre les forces de l'ordre et les citoyens, et notamment les plus jeunes. Monsieur le Premier ministre, c'est la séquence tac au tac. Question courte, réponse courte, s'il vous plaît. C'est Ilyes Ramdani qui commence. Vous parliez de mixité sociale dans les banlieues. Est-ce que vous, Manuel Valls, vous êtes prêt, en 2017, aujourd'hui vous vivez à Matignon, à venir habiter en banlieue? J'ai habité en banlieue pendant... plus de 20 ans. Vous y retournerez en 2017, par exemple? Ça dépend de ce que deviendra ma vie. Mais d'abord, ça me regarde. J'ai habité en banlieue depuis 1988. J'ai quitté Évry il n'y a pas tôt de temps. Et mes enfants sont toujours scolarisés à l'école publique. Rosine Fèvre. À Évry. Hein vérifié. Monsieur le Premier ministre. Fais confiance. Merci. Qu'est-ce qui vous énerve le plus chez Emmanuel Macron? Rien. Pourquoi il est concerné par notre débat ce soir, Emmanuel? Non, mais c'est des questions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Rien ne m'énerve. Chez un garçon qui est talentueux, qui est un ministre utile au gouvernement, qui incarne du renouvellement dans la vie politique. Rien ne m'énerve. Utile à la gauche? Utile à la gauche. Et il est de gauche. Laure Breton. Vous dites qu'il faut du beau dans les banlieues. Quelle est la dernière chose belle que vous ayez vue?
hier, au Mureau, ces formidables équipements autour d'une deux écoles, une ludothèque, une salle de spectacle, ce centre Molière. Vous avez vu les locaux du Pont du Blog aussi. Il y a du travail encore. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qui vous empêche parfois de dormir la nuit ? Beaucoup de choses, bien sûr, mais sans doute ce qui fait que mes nuits sont un peu plus troublées, c'est depuis le mois de janvier, c'est la menace terroriste, bien sûr. Parce que là, on est dans quelque chose de grave qui touche à l'essentiel. Rosine Fèvre. Dans Racine, Titus dit à Bérénice, il ne s'agit pas de vivre, il faut régner. Est-ce que vous avez le temps de vivre, Manuel Valls, quand on dirige et quand on gouverne la France ? Il faut toujours trouver un moment pour vivre, pour ses proches, pour ma mère, pour ma compagne, pour mes quatre enfants, pour mes amis. Mais c'est vrai que l'action gouvernementale à ce niveau, face à tous les défis de la France, économique, le terrorisme, le dossier des migrants, l'avenir du pays, de sa jeunesse, des banlieues, la transition énergétique, etc. Ça donne le tournée. Oui, ça veut dire que vous avez beaucoup de choses à faire, mais c'est le choix que j'ai fait, c'est un choix de vie. Quand j'étais maire, cela me prenait aussi beaucoup de temps, nuit et jour, les week-ends, mais être au service des autres, j'y consacre ma vie et je ne vais pas m'en plaindre. Et c'est peut-être pas fini. J'espère que ce n'est pas fini. Laure Breton. Vous prenez le temps de vivre, est-ce que vous avez le temps de rêver ? Est-ce que vous avez un rêve que vous aimeriez réaliser ? Un rêve, j'aimerais que... Non, mais pas pour moi. C'est peut-être le combat de ma vie. C'est que les Français, et notamment ceux qui sont de toutes ces origines, qui font la force et la diversité de nos quartiers, soient fiers d'être Français. La toute dernière question, très rapidement, monsieur le Premier ministre, serez-vous tout... C'est Ilyes Ranmani qui vous la pose. Le suspense est entier. Je suis un peu naïf, est-ce que vous serez toujours Premier ministre après les régionales ? Oui, je le crois. Je crois que je continuerai mon action jusqu'en 2017. Un remaniement ? Nous verrons bien, mais ce que pour le moment ça intéresse grand monde, non. Non, mais il faut de la continuité dans l'action gouvernementale. C'est comme ça qu'on réussit. Regardez les chiffres du chômage. Merci, Manuel Valls, d'être venu dans Mardi Politique. Merci au Bondy Blog et en particulier à Nordine Nabili pour l'accueil. À Bondy, cette émission a été réalisée par Mathias Golchani. Très bonne soirée à tous.